Je m'appelle Olivier de Sagazan, je suis peintre-sculpteur et aussi performeur, c'est-à-dire que je travaille aussi sur mon corps et sur le corps d'autres personnes avec différents matériaux, dont essentiellement de la terre. Je suis né à Brazzaville au Congo et il est évident que ces influences africaines ont une résonance dans tout mon travail. Le sujet qui m'intéresse particulièrement actuellement, c'est la question des origines sur un plan organique, d'un point de vue biologique, essayer de comprendre les premiers éléments constitutifs du vivant. J'ai une formation de biologiste qui explique mon engouement pour tout ce qui tourne autour de la question du vivant. Et je pourrais dire d'une manière un peu imagée que ma paillasse de biochimiste, je l'ai tout d'un coup mis à la verticale et je l'ai transformé en tableau. Tout ce travail que je fais sur le corps humain, qui est un travail axé sur la défiguration, n'est pas du tout fait dans une vision morbide ou mortifère. Nous vivons dans une banalisation du quotidien et on ne fait plus attention à ce que c'est qu'un regard, à ce que c'est qu'un corps. Donc faire un corps tout d'un coup défiguré, pour moi, c'est qu'une manière de réveiller d'abord mon propre regard, seul dans l'atelier, ensuite de tenter de réveiller celui du spectateur pour nous amener à nous réinterroger sur ce caractère fantastique d'être là. J'ai commencé par des prairies comme ça il y a 20-30 ans à peu près, donc sur des paysages, et puis ensuite je me suis complètement arrêté et spécialisé dans la question de la représentation du corps humain. Et depuis 20 ans, 25 ans, je ne travaille plus que sur le corps humain. Et là, le fait de travailler avec de la terre à nouveau et de l'herbe m'a donné envie de revenir un petit peu à la question du paysage. La performance est, à travers mon regard de peintre et de sculpteur, est vraiment venue de l'idée, tout d'un coup, de rentrer dans ma peinture. D'où un moment, l'idée m'est venue de m'envelopper de la terre et de me façonner sur moi-même des visages pour ressentir de l'intérieur ces visages-là et pour leur insuffler la vie. Je fais de mon corps une propre sculpture que je vais modeler et essayer de voir comment le défigurant, là aussi, mon regard tout d'un coup s'ouvre sur quelque chose que je ne voyais pas. Lors de toutes mes performances, même lors de masterclass, lorsqu'on se retrouve complètement recouvert de terre, nu, c'est un bonheur de sensibilité que vous n'imaginez pas.